Incontinence urinaire, fatigue générale, manque d'appétit, déshydratation, le cours de la vie d'Abdou a changé depuis qu'il lui a été diagnostiqué une insuffisance rénale il y a 9 mois. Abdou et sa famille ont cru aux charlatans au départ et dépensé une fortune auprès de voyants et tradis praticiens. Sans succès, ils se sont ensuite retournés vers la médecine moderne. Il souffre depuis 9 mois environ. Et on a déjà marché dans les hôpitaux. Actuellement, nous sommes à l'hôpital de JC et on nous demande d'aller à Yaoundé. Et on n'a pas le moyen. La maladie de ce jeune homme de 18 ans a toutefois déjà atteint la phase de complication alors que les moyens financiers ont chuté. Au niveau de Bafoussam, on nous a demandé 500 000. Mais on ne sait pas ce que Yaoundé va nous demander. D'où son SOS. On n'a même pas encore trouvé pour l'hôpital de JC. On n'a pas encore payé pour d'ici. Et on veut d'abord payer ici avant qu'on nous libère le carnet médical. Et on n'a pas le moyen. Nous vous demandons de l'aide, s'il vous plaît, pour qu'on puisse l'aider le petit. L'insuffisance rénale est caractérisée par l'incapacité des reins à éliminer les urines et autres déchets du corps. Abdou, natif de Mamowo, par Koutabadan le Noun, a visiblement besoin d'aide car son état se dégrade au jour le jour et le rapproche vers la mort si rien n'est